Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On va passer la journée ensemble aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire et je me suis dit que ce serait sympa d'un petit peu vlogger tout ça. J'aimerais bien faire du meal prep avec ce qu'il me reste dans le frigo pour le vider un petit peu avant d'aller faire les courses et pour ça il faut également que je fasse mon menu de la semaine. J'ai aussi un petit peu du tri, du rangement et du nettoyage à faire parce que attention, petit life update, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu n'es pas encore au courant, mais n'hésite pas à aller me suivre parce que c'est là-bas que je dis en général toutes les choses en avant-première. Mais ça y est, on déménage enfin. Et pour te donner un petit peu des petites explications, si tu n'as pas vu la précédente FAQ, on déménage sur Bruxelles. Le déménagement en France n'est absolument pas annulé ni... Voilà, on compte toujours y aller, mais ça va juste être un petit peu reporté parce que mon compagnon avait énormément de mal à trouver un emploi sur la France. Il en avait trouvé un et finalement l'entreprise a fait faillite, mais depuis ça, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à obtenir une place parce que quand on voit sur le CV qu'on est en Belgique, qu'on n'est pas forcément près de la frontière, ça refroidit un petit peu les employeurs sur 150 CV à compétences égales. Forcément, ils vont privilégier quelqu'un qui est déjà sur place, que nous on doit déménager et tout, c'est voilà, c'est pas toujours évident. Pour en revenir à notre déménagement sur Bruxelles, moi je suis très contente quand même parce que c'est une ville réellement que j'adore, ça reste la capitale de la Belgique. On commence les visites demain d'appartement et comme on a un préavis ici pour notre logement actuel d'environ 3 mois, j'aimerais bien déjà commencer à désencombrer, nettoyer certaines pièces parce que peut-être qu'on partira avant, ça il faut qu'on voit avec les propriétaires si on peut raccourcir ce préavis, ce serait pas mal. Ce qui est sûr, c'est que le fait de m'avancer dans certaines tâches comme nettoyer, désencombrer, ça me permettra d'être beaucoup plus sereine au moment du déménagement parce que il n'y a rien à faire, produire 2 vidéos YouTube, le contenu Instagram, sachant que ce sera vers les fêtes de fin d'année, novembre, décembre, c'est souvent des périodes très 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 chargées. Si je fais déjà des choses en amont, j'aurai beaucoup moins de charge mentale. Je t'avais d'ailleurs demandé sur Instagram si ça t'intéressait que je filme un petit peu ce processus et les réponses étaient plutôt positives, donc voilà. Et je me suis fait ce matin un petit latte, le même que je t'avais présenté dans la précédente vidéo, un peu sous format de vlog. C'est des épices comme les pumpkin spice, donc cannelle, muscade et un tout petit peu de chili dans un déca et avec du lait végétal. Et j'ai juste remis un petit peu du cacao sur le dessus. C'est réellement un délice cette boisson. Je t'avais dit que tu allais en voir tout l'automne et c'est certain parce que j'adore. Chose que je vais faire d'abord pour être vraiment zen dans ma journée après, c'est qu'on va déjà aller faire la balade avec Shadow. Je pense que je démarre rarement mes vidéos directes par la balade, mais là au moins je sais comme ça, elle est promenée, elle s'est dépensée et elle va pas me coller toute la journée pour me mettre la pression pour y aller. Et en même temps, en plus aujourd'hui, il y a une lumière de dingue. Sincèrement, il fait tellement beau et comme maintenant on est quand même bien avancé dans l'automne, les couleurs sont juste magnifiques. Donc c'est parti, on y va. Big daddy, beautiful sight, coming in quick, a little low and tight. Gonna catch you just right, pull you up to outer space. Wasn't that a good day? Red guitar, purple haze, stick love and the ball was all he needed. On vient de rentrer, c'était tellement agréable, il fait un temps magnifique et honnêtement marcher, pour moi c'est la meilleure activité, ça fait trop du bien, ça joue énormément sur mon bien-être vu que je travaille de la maison, le fait de sortir, de m'oxygéner, ça me fait un bien fou, mais ça je pense que je le dis dans toutes les vidéos. Là, ici, je vais maintenant m'attaquer au meal prep, comme ça je vois ce qu'il me reste en même temps, j'ouvre les placards et ça me permettra de faire une bonne liste de courses après pour pouvoir y aller. Mais il y a un truc que j'ai hyper envie d'essayer. En ce moment, j'ai des très fortes envies de granola et j'ai envie de tester de faire un granola façon Snickers. Je ne sais pas du tout si ça va donner l'effet escompté, mais j'ai vraiment envie d'essayer, sachant que j'ai très envie d'un granola hyper croustillant avec des grosses pépites.
Et l'objectif de ce meal prep, c'est d'un petit peu me faciliter la vie pour ce week-end, parce que comme demain on part sur Bruxelles toute la journée, quand on va rentrer, je pense qu'on va avoir très faim et j'aurai pas envie de passer des heures en cuisine. Et comme ça, en même temps, je m'avance un petit peu dans tout ça. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us. Et voilà ce que j'ai réussi à faire en 45 minutes. Je suis plutôt contente, ça va bien m'avancer. Il y a donc le fameux granola qui est excellent, sincèrement, si tu tente de le faire, n'hésite pas à me dire, mais moi je le trouve sublimissime. J'ai également fait un banana bread, pour ça j'ai écrasé 3 bananes bien mûres. J'y ai rajouté de la farine de cacahuète vu que je l'avais utilisée pour le granola, mais tu peux très bien utiliser de la farine traditionnelle ou de la farine d'avoine. J'ai également mis un tout petit peu de lait végétal pour ajuster la consistance et quelques pépites de chocolat sur le dessus, et je l'ai passé à l'air fryer également une bonne dizaine de minutes juste après le granola. J'ai fait pendant la cuisson une soupe au potiron. J'ai émincé un oignon, je l'ai fait rissoler avec du coup tout un potimarron que j'ai préalablement coupé et dépluché. Quand il était en train de cuire après 10 minutes, je rajoute de l'eau et je laisse encore mijoter jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Je rajoute évidemment plein d'épices, du sel, du poivre, du curcuma et du curry. Et enfin, je l'ai blendé avec un petit peu de lait de coco. Et je l'ai divisé en deux ici, donc tu as une partie soupe. Et j'ai versé l'autre partie dans des pâtes de lentilles que j'ai cuites également. Je rajoute un tout petit peu de fromage et surtout de la moutarde qui permet de bien le rehausser. Et ça fait un genre de mac and cheese comme ça. C'est plutôt complet parce qu'au final tu as les pâtes qui apportent des protéines. Le potimarron fait office de légumes. Les lentilles servent également de féculent, donc voilà, c'est pas mal et honnêtement ça sent super bon. Et ça, ce sera notre plat pour demain, et ce midi je vais me faire un petit bol de soupe avec des tartines de houmous. Rapide retour de course, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai pris, sachant qu'ici il y a majoritairement du frais, vu que pour le reste je fonctionne par commande en ligne, je trouve que c'est moins cher. Et j'ai pris des petites baguettes à cuire comme ça, j'aime beaucoup, ça dépanne toujours, du pain, du chouquel, j'adore ça. Et je trouve que c'est assez difficile d'en trouver, en tout cas du côté où j'habite, donc j'étais très contente. Des pommes de terre, des carottes, des bananes, ça on en mange quand même pas mal à la maison. J'ai également pris des petites poires et un avocat, ça comme tu le sais j'adore. J'ai pris des petits blocs de tofu nature comme ceci pour dépanner en attendant mes commandes en ligne. De la crème de soja, je m'en sers beaucoup pour faire les sauces, les béchamel et tout ça, et honnêtement elle est très chouette. Ici c'était la light parce qu'il n'y avait plus que ça, mais sinon l'autre est très bien. J'ai pris des haricots vu qu'on est dans la saison. Ici par contre c'est pas la saison, c'est des poivrons, mais j'ai très envie de faire un chili sin carne. Et moi je trouve que les poivrons sont idéaux pour ça, donc j'ai pris un énorme pack en surgelé. Les kiwis, grand luxe de ce retour de course, ils étaient très chers, mais c'est mon fruit préféré, les kiwis jaunes, comme ça ils sont délicieux et ça apporte beaucoup de vitamine C, donc voilà, c'est le petit extra. J'ai pris un concombre, j'ai repris une courge butternut vu que j'ai consommé celle que je t'avais montrée dans le dernier vlog, des cornichons parce que j'en ai plus et j'adore en mettre sur des toasts avec du houmous, et un petit pot de sauce tomate déjà assaisonnée. Donc là je vais ranger tout ça, j'ai pas pris de yaourt végétal cette fois-ci parce qu'il m'en reste du précédent retour de course, et après on va quand même tout doucement s'attaquer au tri et au rangement du bureau et du dressing, et là il y a du boulot. On va maintenant s'attaquer à cette pièce où il y a un bazar et un désordre assez important. Et moi en fait ici il y a un petit peu de tout, dans le sens où il y a le dressing, il y a une commode où on range
des petits trucs, il y a le panier à linge, il y a des croquettes de Shadow et il y a également mon bureau, donc c'est réellement mon lieu de travail, c'est ici où je monte toutes les vidéos, où je cherche les idées, enfin c'est vraiment ici l'une des pièces principales. Tu vas me dire qu'elle n'est pas hyper décorée, mais honnêtement, en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends de déménager que j'ai jamais pris la peine de méga décorer cette pièce. Et là, maintenant qu'on s'en va, c'est vraiment pas maintenant que je vais le faire. Mais en revanche, un espace rangé et ordonné, ça m'aide réellement à travailler beaucoup plus sereinement et sans avoir la tête embrumée par « ah ben oui, il faut que je fasse encore ça, ben oui, il faut que je fasse encore ça ». Le fait que ce soit déjà rangé, ben m'aide un petit peu, je suis dans une meilleure ambiance pour travailler. Et vu le déménagement qui est quand même prévu pour fin d'année, une chose que j'ai envie de faire, vu qu'ici je vais de toute façon tout ranger et tout nettoyer, c'est déjà faire le tri. Regarder un petit peu les vêtements qui me plaisent, que je garde, et sinon les mettre en vente sur Vinted. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail à faire. On vient de terminer donc tout le rangement et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'avant-après est quand même assez satisfaisant. Ici on est quand même dans une pièce beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus rangée et moi ça va m'aider quand je vais travailler à avoir les idées beaucoup plus claires et pas avoir plein de choses qui traînent. Sincèrement, ça me met directement dans un mood de productivité beaucoup plus important, voilà, j'espère du coup que ça t'a un petit peu motivé dans cette vidéo, donner de l'inspiration ou relaxer. Moi quand je regarde ce genre de vidéo, c'est un petit peu cette sensation là que j'ai, mais n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire sur ce que tu en as pensé. Vu que c'est un concept que je ne fais pas très régulièrement, je ne sais pas du tout si tu vas apprécier ou pas, donc n'hésite pas à me mettre tout ça et des remarques constructives, et suivant ça en fait je verrai si je continue de filmer les prochaines pièces que je vais désencombrer et nettoyer ou si on repasse sur le format habituel là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé !